parole que nous allons partager, si vous voulez vous mettre debout. If you can stand on your feet. Parole que nous allons partager aujourd'hui. The word that we're going to share today. Se trouve dans 2 Rois chapitre 6. Second King chapter 6. 2 Rois chapitre 6. Second King chapter 6. Chapitre 6, verset 14 jusqu'au verset 17. Verse 14-17. Tout le monde y est. Deux Rois 6. Second Kings. Verset 14 jusqu'au verset 17. Verse 14-17. Je vais lire. I will read. Le roi y envoya une forte troupe des soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria, « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Une main d'acclamation pour notre Dieu. Prenez place. You may sit. Alléluia. Amen, amen. Le prophète Élisée, the prophet Elisha, c'était un prophète qui a fait beaucoup d'exploits avec Dieu. He did great things with God. Et quelqu'un qui fait des exploits avec Dieu, and someone who does great things with God, doit être intègre, has to be integrity, et marcher dans la droiture, and walk in truth or in the right way. Alléluia. Amen. Et c'était le cas d'Élisée. And that was the case for Elisha. C'était un homme intègre. He was a man of integrity. Nous nous rappelons comment il a été appelé par Dieu. Remember how he was called by God. Il faisait son champ. He used to do his. Il cultivait. He was cultivating. Il avait des vœux pour cultiver. He has little. C'était un fermier. He was a farmer. Alléluia. Lorsque Élie lui a dit, suis-moi. When Eli told him, follow me. Après avoir déposé son manteau sur ses épaules, il a dit, suis-moi. After putting his coat on his shoulders and saying, cet homme a pris la décision. He took the decision. Il a demandé l'autorisation à Élie. Permets-moi que j'aille dire au revoir à mes parents. And he asked Elisha to allow me to go and say goodbye to my family. La parole de Dieu nous dit que lorsqu'il est rentré à la maison, il a trouvé le bœuf qu'il cultivait. The word of God said when he went home, he killed all the sheep, the cows that he was cultivating. Et le bois qu'il tirait derrière, il les a cassés et c'est avec ça qu'il a préparé à manger à ses ouvriers. And they, and he prepared meal with those cows. Alléluia. Et voici que lorsqu'il a terminé, il est parti. When he finished, he went and followed God. Il a suivi son maître. And he followed his master. Alléluia. Amen. Nous savons comment il a accompagné Élie. We know how he accompanied Eli. En demandant qu'il puisse avoir le double, c'est vraiment osé. By asking that he may get a double portion of Eli. Un homme de Dieu comme Élie demandait le double de sa portion. A man of God like de son onction. Asking a double portion of his unction. Alléluia. C'était osé.
He dared. Mais Élisée était déterminé. But Elisha was determined. Frères et sœurs en Christ. Brothers and sisters in Christ. Celui qui n'est pas déterminé ne peut pas travailler avec Dieu. He cannot walk with God. Il faut oser de demander ce que les autres n'osent you pas demander. You have to dare to ask what others do not ask. Et vous l'obtiendrez. And you will receive them. Alléluia. Amen. J'en viens avec le problème ici. And I come with this problem here. Alléluia. Et lorsqu'il s'est installé, lorsque Élie était parti au ciel et que lui, il est resté avec son manteau. When Eli was gone to heaven and he stayed with his coat. Il est allé s'installer à Samarie. He went to Samaria. Alléluia. Amen. Et là, and there, à chaque fois que le roi de Syrie faisait une réunion de commandement. And every time that the king of Syria will do a meeting avec l'état-major, with all the armies, et avec le cabinet ministériel, with the ministries. Alléluia. Il était au courant de tout ce qu'on avait dit. He knew what they say. À tel point que ça suscitait un problème au sein du conseil du roi de Syrie. At the point that it brought a problem. Il est allé voir ses collaborateurs et dit, il y a un traître parmi nous. And he went to see the people who collaborate with him and said there is a problem. Lorsque nous disons des choses, when we say things, le roi d'Israël est déjà au courant. The king of Israel is already aware. Voudriez-vous me dire qui fait ça? Will you tell me who do this? Et la parole de Dieu nous dit que quelqu'un s'est levé et a dit. The word of God says that someone stood up. Seigneur le roi, and say, King, il n'y a personne parmi nous qui va faire le traité. There is no one among us who give the news. Ils ont un homme. They have a man. À chaque fois que nous faisons quelque chose, il est au courant, il informe le roi. Any time we do something, he knows. Alléluia. Amen. Cet homme-là, that man, même ce que tu as dit dans ta chambre, even what you say in your room, cet homme connaît. That man knows. Alléluia. Amen. Ce que tu dis dans ta chambre, what you cet homme say in connaît. Your room, that man knows. Alléluia. Amen. Le titre de notre message, the title of our message, l'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le vénèrent. The angel of the Lord is watching over. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le vénèrent. To those who worship him. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici le roi de Syrie envoie toute une armée. Here the king of Syria sends an army. Ici on dit qu'une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Here they say verse 14. Then he sent horses and chariots and a strong force there. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et ils sont arrivés la nuit. And they got there at night. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. L'ennemi opère pendant qu'il fait obscur. The enemy walks when it's dark. Alléluia. Amen. Jamais pendant la journée. Not during the day. Jamais lorsqu'il fait jour. Not when it's during the day. L'ennemi est l'ennemi de la lumière. The enemy is the enemy of the light. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pendant la nuit qu'il a opéré. And it's during the night that he walked. Lorsque le serviteur de Élisée est sorti when le matin, the servant of Elisha came outside in the morning, lorsqu'il faisait jour, when it was during the day, le serviteur de l'homme de Dieu est sorti. The servant of the man of God came out. C'est à ce moment-là qu'il a remarqué les gens qui sont arrivés la nuit. And it's there that he saw people who came at night. L'ennemi était arrivé la nuit. The enemy came at night. Pendant que personne ne le voit. Where no one could see him. Frères et sœurs en Christ, je voudrais
souligner ici. Brothers and sisters in Christ, I would like to underline here. Est-ce que dans notre église, il n'y a pas des gens qui opèrent la nuit? In our church, is there people who work at night? Lorsque vous êtes dans vos maisons, qu'est-ce que vous dites? Where you are in your house, what do you say? Hallelujah. You are in your house. Hallelujah. Amen. Est-ce que vous ne parlerez pas, les frères et sœurs en Christ, de l'église, vous ne parlerez pas de Amal? Don't you speak evil about your brothers and sisters? Est-ce que vous ne parlerez pas de votre église, Amal? Or your church? Alléluia. Est-ce que vous ne parlez pas du pasteur Amar? Don't you talk about the pastor? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que ce que vous dites là bénit les autres qui ne sont pas là, qui sont à l'extérieur? Ou c'est quelque chose où vous les écrasez, où vous les mettez en prison? Servira, encore servira. Does things that you say blesses others or you put them in the prison? Si vous faites cela, if you do that. Si vous faites cela, if you do that, sachez que vous travaillez dans l'obscurité. Know that you are walking in the darkness. Et vous collaborez avec l'ennemi. And you are collaborating with the enemy. Quelqu'un qui fait du mal en cachette, il travaille avec l'ennemi. Someone who does things in hiding, he works with the enemy. C'est pourquoi nous avons dit pendant le jour de jeûne et prière, nous avons dit que nous devons prier, nous ne devons pas tenir compte de ce que quelqu'un a fait dans l'obscurité. Il y a l'ennemi qui est derrière. That's why we said in our 21 days that we have to pray and do or go with what people did. Lorsque tu es dans l'obscurité, when you are in the darkness, beaucoup l'ennemi chuchote beaucoup de choses dans ton oreille. The enemy will tell you things in your ears. Et lorsque tu commences à entrer dedans, and when you are in there, tu ne fonctionnes plus comme quelqu'un qui est en Jésus. You don't function like someone who is in Jesus. Tu ne fonctionnes plus comme quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit. Or someone who is visited by the Holy Spirit. Tu ne fonctionnes plus comme quelqu'un qui est accompagné par les anges de Dieu. You don't function like someone who's accompanied by the angels of the Lord. Tu travailles dans l'obscurité. You walk in darkness. Et l'obscurité, c'est pour Satan. And the darkness is for the devil. Tu travailles pour que personne n'entende. You walk so that no one may hear you. Mais malheureusement, but unfortunately, Dieu entend. God hears you. Si les autres n'entendent pas, if others cannot hear you, mais Dieu vous entend. But God can hear you. Dieu entend ce que vous êtes en train de raconter. God can hear what you are saying. Et la malédiction que tu es en train de prononcer sur les autres. And those bad things that you are talking about others. La condamnation que tu prononces sur quelqu'un. The condemnation that you are pronouncing on someone. Au lieu de prier pour lui, tu le condamnes. Instead of praying for them, you are condemning. Au lieu de prier pour lui, tu le mets à l'écart. Instead of praying for them, you are putting them aside. Hallelujah. Hallelujah. Nous devons cesser de parler du mal des autres, du mal de l'église, du mal des autres, même des païens. We have to stop saying evil things about people of the church, even unbelievers. Tout ce que nous disons doit venir. Everything that we say or come out of our mouths have to bless. Tout ce que nous disons doit le désir de changer les autres qui ne sont pas là. They have to be a desire to change people who are not there. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sinon, Dieu lui est au courant. If not, God knows. Et je voudrais vous dire que tout ce qu'on fait en cachette, and I would like to tell you everything that we do in hiding, un jour ça va sortir. One day it will come out. Et vous allez me dire probablement c'est le dernier jour, le maybe jour you du will jugement. Say it's at the last day, the non. Day of judgment. No. Avant. Before. Dieu t'a informé quelqu'un qui est très loin de toi et il sait tout ce que tu as raconté. God can inform someone who's very far from you and he knows what you said. Dans la vision. In a vision. Hallelujah. Amen. Dans le rêve. In the dream. Quelqu'un te voit entrer, voit que tu es en train d'opérer, que tu es en train de parler du mal, que tu es en train de monter
un projet pour faire du mal. And someone can see that you are saying evil about someone or preparing something bad about someone. C'est ce qui est arrivé à ce roi de Syrie. And that's what happened at the king of Syria. Il montait le projet d'aller attaquer Israël. He wanted to go and attack Israel. Mais il avait oublié que Israël. But he forgot that Israel. Alléluia. C'était une nation, c'était un peuple. It was a nation, a people of God. Alléluia. Mais toi aussi, lorsque tu parles, si jamais ça t'arrive. But you also, if you talk, and if something it happens to you to talk, tu oublies que tu es en train de parler d'un enfant de Dieu. And you forgot that you are talking about the child of God. Alléluia. Tu oublies que tu es en train d'entrer dans la famille de Dieu. And you are forgetting that you are entering in the family of God. Et Dieu veille sur sa famille. And God watches over his family. Et il ne permet pas que quelqu'un parle de son enfant, de son serviteur, de tout ce qui le concerne. And he doesn't allow anyone to talk evil about his people. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ainsi que le roi de Syrie avait opéré pendant la nuit. It's when that the king of Syria was walking during the night. Mais lorsqu'il est arrivé en Samarie, dans la localité où habitait le prophète, but when he went to Samaria where the prophet lives, certainement ils n'ont pas su où se trouve sa maison. Certainly, he didn't know where the house of the Alleluia. Prophet is. Parce qu'ils étaient venus pour l'enlever. Because they came to take them away. Ils étaient venus pour les kidnapper. To kidnap them. Mais ils n'ont pas trouvé et ils se sont dit, attendons la journée, probablement on le verra en train de passer. But they didn't find them. They said, let's wait until it's morning. Maybe we'll see them passing by. Ils ne connaissaient pas exactement là où se trouve sa maison. They didn't know where the prophet's house was. Alors ils ont attendu à l'extérieur. Ils ont cerclé l'endroit. So they waited outside and they surrounded the place. Alléluia. Amen. C'est ainsi que le lendemain, lorsque le serviteur de Dieu est sorti, il a vu qu'il y avait toute une armée. And the next day, when the servant of the Lord came out and he saw that there was an army. Alléluia. Amen. Le serviteur n'avait pas de foi. But he didn't have faith. Le serviteur du serviteur de Dieu n'était pas dans le secret de Dieu. The servant of the Lord didn't live in the secret. Alléluia. Amen. Lorsqu'on ne remarque pas, lorsqu'on n'a pas la foi qu'on est bien protégé, c'est qu'on n'est pas avec Dieu. When we don't have faith that we are protected, that means we don't have faith. Alléluia. Amen. Il a paniqué. He panicked. Alléluia. Amen. Il était terrifié. He was terrified. Alléluia. Amen. Et il est rentré vite, vite pour informer son maître, pour dire, ça n'en va pas, nous sommes assez. And he went back to tell his master, we are surrounded by the army. Il croyait que son maître aussi allait paniquer. He thought that his master was going to panic. Alléluia. Amen. Lorsque on te dit qu'il y a des choses qui se passent à l'extérieur, when they tell you that there is something going on outside. Lorsqu'on vous dit l'ouragan est en train d'arriver ici, se trouve sur l'autoroute, ça va bientôt arriver ici. And they tell you that there is a storm coming. Alléluia. Lorsqu'on te dit qu'il y a une pluie de grêle qui est en train de tomber, ça va casser les vitres de la maison, ça va casser les vitres de la voiture. Et tu t'inquiètes, ça sera certainement ma voiture va entrer dedans. And they, when they tell you there is a thunderstorm that will take away everything, your car, your house. Quelle est ta réaction? What is your reaction? Est-ce que tu cours pour aller regarder? Est-ce que c'est arrivé? Ce qui s'est passé? Do you run and go see? Oh, did it happen? Est-ce que nos fenêtres et les vitres ne sont pas cassées? Is our windows not broken or broken? Est-ce que ma voiture est encore là? Is my car still there? Alléluia. Amen. Parce que tu n'es pas sûr de la sécurité.
Because you are not sure of the security. Alléluia. Mais lorsque le serviteur est allé dire à son maître, dit, ça ne va pas, nous sommes encerclés. But when the servant went and tell his master, it's not going well. We are surrounded by the army. La Bible ne nous dit pas que le maître s'est mis debout pour aller voir. Qu'est-ce qui se passe? The Bible does not say that he got up and went to see what is going on. Ils sont partout. Are they around us everywhere? Même dans la ville ici devant. Even in here. Même à côté de chez notre voisin. Even at our neighbors. Alléluia. Il a gardé les cartes. Alléluia. Alléluia. Il a dit, ce qui nous entoure. He said, those who surround us. Ce qui nous entoure. Those who surround us. Sont plus nombreux que ce que vous voyez. They are more than those you can see. Mais sa parole ne rassurait pas son serviteur. But his words that did not assure the servant. Lorsqu'on est incrédule. When we don't believe. Lorsqu'on ne croit pas. When we don't believe. Alléluia. Amen. Rien ne peut te convaincre. Nothing can convince you. Il faut que tu vois. You have to see. Parce que tu n'as pas la foi. Because you don't have faith. Il faut que tu vois. You have to see. Parce que tu n'habites pas en Jésus. Because you don't live in Jesus Christ. Il faut que tu vois. You have to see. Parce que la parole n'habite pas en toi. Because the word does not live in you. Il faut voir. You have to see. Alors nous savons que la parole de Dieu dit, nous ne marchons pas la foi et non par la foi. And though we know that the word of God say we walk by faith not by sight. Combien de chrétiens qui restent calmes lorsque la situation s'envenime? How many Christians stay calm when the situation is above them? Lorsque la situation s'aggrave, tu dis, moi je suis en sécurité, je sais que je suis en Jésus-Christ. Is above them and they say, I know that I'm in security because I live in Jesus. Je sais que la parole de Dieu habite en moi. I know that the word of God lives in me. Qui dit la parole de Dieu dit Jésus Christ. Who says the word of God says Jesus Christ. Je sais que je suis le temple du Saint-Esprit. I know that I'm the temple of the Lord. Rien ne pourra détruire le temple du Saint-Esprit. Nothing can destroy the temple of the Lord. Je suis ici, je ne bouge pas, je reste là où je suis en Jésus Christ. I'm here, I'm not shaking because I'm in Jesus. Alléluia. Au lieu d'aller demander chez le voisin, est-ce que vous aussi vous êtes au courant? Est-ce que ça s'est passé comme ça? Instead of going to your neighbors and say, oh, did it happen to you also? Do you know what happened? Tes voisins? Your neighbors. Tes voisins? Your neighbors. N'ont pas l'esprit de Dieu. They don't have the spirit of God. L'esprit de Dieu n'habite pas chez eux. The spirit of God does not live in their house. Mais toi, chez qui l'esprit de Dieu habite, tu vas demander aux païens. But where the Holy Spirit lives, you go and ask for those unbelievers. Nous devons changer cette façon de faire. We have to change our ways of doing. Alléluia. Lorsque Élisée a parlé à son serviteur, ceux qui sont ici autour de nous sont plus nombreux. When Elisha told his servant that those who are here around us, they are more than those you can see. Without even looking at what is happening outside. Il était conscient. He was conscious. Connaissant Dieu. Knowing God. Connaissant la relation qui se trouve entre lui et son Dieu. Knowing his relationship with God. Connaissant l'intimité de Dieu en lui. Knowing his intimacy with God. Sachant que l'œil de Dieu est sur lui. Knowing that the eye of God is on him. Ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ce que vous voyez. Those who are for us is more than the one you can see. Il a vu qu'il ne parvenait pas à le convaincre. He saw that he was not able to convince him. Il a adressé une prière à son Dieu. And he prayed to his God. Éternel. Lord. Ouvre les yeux du serviteur pour qu'il voie. Oh Lord, open his eyes so he may see. Hallelujah. Amen.
Sans attendre, Dieu a ouvert les yeux du serviteur. Without waiting, the Lord opened the eyes of the servant. Wow, qu'est-ce qu'il voit? What did he see? Des chars de feu. The hills, the Alléluia. Qui entoure l'armée de la Syrie. That was around and surrounding the army of Syria. Wow. Mais comment tu le sais, patron? But how do you know, my comment tu sais que c'est armée? How do you know this army? Parce que j'ai la foi en Dieu. Because I have faith in my God. Amen. Parce que je connais mon Dieu. Because I know my God. Parce que j'ai une relation personnelle avec mon Dieu. Because I have a personal relationship with my God. Nous pourrions, il pouvait répondre, j'habite en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu habite en moi, la parole de Dieu habite en moi. For us, he can say, I live in Jesus Christ, the word of God lives in me. Il y a une multitude de anges qui entourent Dieu qui habite en moi. There is the angels that are surrounding the Lord. Ce n'est plus même le cas de dire l'ange gardien qui est, que chacun puisse avoir. It's not even necessary to say the angel of each one. Lorsque nous sommes chrétiens, nous avons une multitude parce que Dieu habite en nous. When we are Christian, we have a multitude of angels because the Lord lives in us. Nous constituons le ciel pour Dieu. We constitute the heaven for God. L'Esprit habite en nous. The Spirit lives in us. Jésus-Christ habite en nous. Jesus lives in us. Et comme Dieu ne se sépare jamais de son Fils et de son Esprit, and because God does not separate himself with Jesus and the Holy Spirit, Dieu le Père aussi habite en nous. God the Father also lives in us. Où passera l'ennemi? Where will the enemy go? Où passera l'ennemi? Where the enemy will go? Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu de lumière. Our God is a God of light. Alléluia. Amen. Avec lui, nous découvrons la position de l'ennemi. With him, we discover the position of the enemy. Avant qu'il découvre Élisée. Before he discovers Elisha. Son serviteur avait découvert qu'ils étaient là. His servant was aware that they were there. Jusque là, il ne savait pas où se trouve Élisée, dans quelle maison habitait. Until then, he didn't know where Elisha lives. Alléluia. Alléluia. Il cherchait. He was searching. Ils attendaient que les gens sortent pour s'informer. They were waiting for people to come out so that they can ask them. Mais Élisée était déjà au courant qu'ils étaient là. But Elisha knew why that they were there and why. Alléluia. 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 Mais il faut avoir la foi. But you have to have faith. Pour découvrir et voir la position de l'ennemi. For you to discover the position of the enemy. Et y opposer la position de l'Éternel. And to oppose the position of the Lord. Opposer l'armée de l'ennemi. Opposer les soldats de l'Éternel aux soldats de l'ennemi. To oppose the army of the Lord with the army of the enemy, you have to have faith. Alléluia. Élisée a parlé de la position de l'armée céleste avant qu'il n'ait vu cette armée. Elisha talked about the army of the Lord even before he can see people who were outside. Comment tu traites un tel problème, toi? How do you treat a problem? Alléluia. Amen. Lorsque tu es menacé. When you are menaced. Lorsqu'il y a un complot qui se monte contre toi, que tu soupçonnes, comment tu le prends? When there is something that is against you or people against you, how do you treat yourself? Je voudrais vous dire. I would like to tell you. Quand nous dormons. When we sleep. Quand nous sommes debout. When we are awake. Quand nous sommes assis. When we are sitting. Ou lorsque nous marchons. Or when we are walking. Notre Dieu dégage l'espace. Our God makes a way. Alléluia. Amen. Là où tu es, l'espace est déjà dégagé. The space is already ready.
Sur ton chemin, on your way, le chemin est déjà dégagé. The way is free. Alléluia. Parce qu'il te dit, je vais, ma parole est une lampe à tes pieds. Because he said, but my word is a light for your feet. Une lumière sur ton sentier. And a light on your. Oh, la parole de Dieu habite en toi. Although the word of God lives in you. Si réellement la parole de Dieu habite en toi. If really it lives in you. Tu n'as pas besoin de courir au magasin pour acheter des lampes torches. You don't need to run to a convenience to go and buy. Tu fais confiance en Dieu en disant Dieu va m'éclairer. You have faith in God and say God will lighten up me. Alléluia. Amen. Non seulement cela. Not only that. Puisque tu habites en Jésus-Christ. Because he lives in Jesus Christ. Et que l'œil de Dieu ne quitte pas son fils. And that the eye of his eye does not leave on his son. Tu es sûr que l'œil de Dieu est sur toi. You are very sure that the eye of the Lord Parce is on you. Parce que toi-même tu es en Jésus. Because you also you are in Jesus Christ. Il ne peut pas voir Jésus-Christ et ne pas te voir toi qui habites en lui. He cannot see Jesus Christ and not see you who lives in Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on attaque l'œil de l'Éternel, and when they attack the eye of the Lord, c'est son honneur qui est en danger. It's his honor that is in danger. C'est son honneur qui est méprisé. And his honor that is made. Il intervient immédiatement. Alléluia. Qui a osé s'attaquer à mon œil? Who dared to come and attack my eye? Qui a osé s'attaquer à mon esprit? Who dared to attack my spirit? Because the Holy Spirit lives. Qui a osé s'attaquer à mon fils? Parce que tu habites. Who dared attack my son? Because you live in him. You have a total security. Mais parce que tu ne le connais pas. But because you don't know. Mon peuple meurt par manque de connaissance. My people perish by lack of knowledge. Alléluia. Amen. Tu commences à trembler. You start to tremble. Il y a un événement qui arrive. There is an event that is coming. Qu'est-ce que je vais faire? What am I going to do? Mais tu as la sécurité, mon frère. But you have the security, my brother. Mais tu as la sécurité, ma soeur. You have the security, my Pourquoi sister. Tu trembles? Why are you trembling? Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le Nouveau Testament, in the New Testament, les anges ne fonctionnent pas, fonctionnent rarement. The angels function rarely. Alléluia. Les anges interviennent rarement. They intervene rarely. Dans la Bible, nous pouvons compter combien de fois dans le Nouveau Testament les anges sont intervenus. In the Bible, we can count how many times they intervened. Alléluia. Amen. Notre Seigneur Jésus Christ. Our Lord Jesus Christ. Il a parlé de multitudes des anges. He talked about the multitude of the angels. Lorsqu'il s'adressait à Pierre. When he was addressing himself to Paul. Alléluia. Alléluia. C'est là où il a dit. Non, ne te battez pas, parce que si j'avais voulu, une multitude des anges allait venir, allait me défendre. And it's there that he said, no, do not fight, because if I wanted a multitude of angels, et les anges de mon père, they would have come. Ils allaient anéantir ces gens que And the angels of my father will remove all those you can see. Mais c'est resté comme ça pour que la parole de Dieu s'accomplisse sur moi. But it stayed like that so that the word of God may come accomplished. C'est là où notre Seigneur Jésus-Christ parle des anges. And it's where the Jesus Christ talks about angels. Là où nous voyons encore les anges. Where we see again angels. C'est lorsque les apôtres ont été arrêtés par Hérode. It's when the apostles were stopped by Herod. Il les a mis en prison. He put them in a prison. La Bible de Dieu, la parole de Dieu, ça se trouve dans les Actes chapitre 5. It's in Acts chapter 5. Alléluia. L'ange de l'Éternel est arrivé pour libérer. The angel of the Lord came to
free. La nuit. At night. Libérer plusieurs personnes. To free many people. Et les soldats qui étaient des gardes n'ont pas su. And the soldiers that was there did not see anything. Et lorsqu'il les a libérés, when he freed them, il ne leur a pas demandé, allez vous cacher, comme ça, ça va se calmer. He did not say, go and hide yourself until it's calmed. Il leur a dit, trop tôt le matin, vous devez être à la cour du temple pour parler de Jésus-Christ. He told them, in the morning, you have to be at the court of the Lord, the temple, to talk about Jesus Christ. Lorsqu'on les cherchait dans les environs de la prison, when they were looking for them, et ils se trouvaient devant le temple en train de proclamer la parole de Dieu. They were before the temple proclaiming the word of God. Toi qui n'es pas en prison, tu ne proclames jamais la parole de you Dieu. Who are not in prison, you don't proclaim the word of God. Il a libéré ces gens pour qu'ils aillent proclamer la parole de Dieu. He freed those people so that they can go and proclaim the word of God. Alléluia. Toi qui es dans un pays de liberté, jamais tu ne trouves pas en public en train de leur parler de Jésus-Christ. You who are in this free country, you don't go and proclaim the word of God. Même dans la réunion de famille, tu n'oses pas leur dire, attendez, je voudrais vous parler de quelque chose. Even in the meeting with your family, you don't say, wait, I'm going to say something about Jesus. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ vous aime. I would like to tell you that Jesus loves you. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ est mort pour vous. That he died for you. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ veut vous faire du bien. He wants to do good to you. Tu n'as jamais demandé la parole pour leur parler de Jésus-Christ. You never asked for a word to talk about Jesus Christ to them. Vous parlez encore de futilité de la famille, mais Jésus-Christ n'est pas mentionné dans votre famille. You talk about the future of the family, but Jesus Christ is not mentioned. Jusqu'à quand nous allons continuer à nous comporter ainsi? Until when are we going to act like this? Jusqu'à quand nous allons rester muets et ne pas parler de Jésus-Christ? Until when are we going to stay mute? Alléluia. Nous devons ouvrir la bouche and proclaim Jesus Christ. Quel que soit l'endroit où nous sommes. No matter where we are. Ah, mais si on parle ça, tu peux dire autre chose, mais au travail, c'est défendu. Oh, you can say something else. Alléluia. Alléluia. Combien les apôtres ont été arrêtés plusieurs fois parce qu'ils parlaient de Jésus-Christ. The apostles were arrested many times because they were talking about Jesus Christ. Toi, tu protèges ton emploi. Who you are protecting your job. Ici, c'est défendu. Here, it's you can't. Mais au travail, on parle de hockey. But at work, we talk Alléluia. About hockey. Les Canadiens ont gagné. Ils sont the Canadian won. Au sommet. Alléluia. On en parle au travail. We talk about it at work. Profitez-en pour en parler aussi de Jésus-Christ. You have to talk about Jesus Christ also. Alléluia. Nous devons parler de Jésus-Christ. Nous devons créer la situation. Nous devons créer les circonstances pour parler de Jésus-Christ. We have to talk about Jesus Christ. Alléluia. Jésus-Christ nous le demande. C'est une demande qu'il fait. Jesus Christ is asking us that. Lorsque tu ne le fais pas, tu honores pas la demande de Jésus-Christ. When you don't do that, you don't honor the request of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les anges n'interviennent plus. The angels does not intervene. Encore un ange a intervenu. Nous avons déjà vu ça dans Actes chapitre 12, verset 7. Where the angels intervene, we saw it in Acts chapter 12, verse 7. Je ne pense pas que ce soit nécessaire qu'on lise ça parce que c'est un texte sur lequel j'ai prêché. I don't think it's necessary to say it. Alléluia. Pendant que Pierre était gardé en prison au milieu des deux soldats, la lumière de Dieu, la lumière de l'ange de l'Éternel a apparu en prison. When Peter was in the prison with two guards, the light of the Lord came. Toujours la lumière de Dieu. Always the light of the Lord. Lorsque Dieu arrive quelque part, ou son émissaire arrive quelque part, when the Lord comes in a place, il y a la lumière. There is a light. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
L'ange a été précédé par la lumière. The angel was there before the was after the light. Alléluia. Hérode a venu de tuer Jacques, le frère de Jean. Herod killed James, the brother of John. Et il a trouvé que les Judéens étaient contents parce qu'il commence à tuer ces gens qu'on appelle les gens de voix. And he found that the Judeans were happy because he was killing people. Alléluia. Avant, les chrétiens s'appelaient les gens de voix. Before, Christians used to be called the people of. Et ils ont dit, il a diminué ce nombre-là. Alléluia. Et lorsqu'il a entendu cela, he thought that he killed many of them, but when he heard about that, arrêtez-moi encore Pierre. And he said, arrest Peter again. Lui aussi doit être zigouillé. And he has to be killed also. Lui aussi doit être coupé. He has to be killed. Alléluia. Amen. On a arrêté Pierre pour qu'on puisse couper la tête de la lune. And they arrested him so that they may cut his head. Beaucoup de soldats montaient la garde. Many soldiers were there. Beaucoup de soldats montaient la garde. Many soldiers were there. D'abord, il y a ceux qui dormaient, l'un à gauche, l'autre à droite, il était au milieu des soldats. There were soldiers, the one sleeping at the right, the others at the left, and he was in the middle. Et ses pieds, ses jambes étaient rentrés dans un bac en bois, pour qu'il ne puisse pas sortir de là. And his feet was somewhere so that he will not come out. Alléluia. Un seul soldat de l'Éternel. Just one soldier of the Lord. A pénétré dans cet endroit. And he went through that. Pierre. Peter. Il a touché de côté. And he touched him. Alléluia. Pourquoi il a touché de côté? Why he touched him on the side? Parce que c'est son collègue. Because he's Alléluia. His colleague. Collègue. Lève-toi. Get up. J'ai une bonne nouvelle. I have a good news for you. Alléluia. Alléluia. Pierre, sans se rendre compte, il se réveille, il a commencé à mettre les habits, il a commencé à mettre les chaussures, la ceinture, tout. Et la dernière chose qu'il a vu, c'était son manteau. Peter, without knowing, he got up and started to put his clothes, his shoes, and the last thing he put it was his coat. And he said, follow me. Suis-moi. Follow me. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les portes s'ouvraient. And the doors were opening themselves. Lorsque Pierre le voyait, il ne croyait pas ses yeux, il croyait qu'il dormait encore, qu'il était en train de rêver. When Peter was saying that, he thought that he was dreaming. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à l'extérieur. Until he got outside. Voici c'est là les deux interventions que j'ai trouvées. And those are the two interventions that I saw. J'ai parcouru le trajet de Paul. I could imagine what Peter went through. Là où a passé Paul. Where he passed. J'ai trouvé seulement il parle de l'ange de l'Éternel. Lorsque le bateau dans lequel il s'est trouvé pour aller à Rome a fait naufrage. And I saw that he talked about the angels when the boat that was supposed to bring him was in. C'est à lui a dit l'ange de l'Éternel, du Dieu que je prie. And he said the angel of the Lord that I pray. M'a dit que le bateau va être cassé, mais personne. Told me that the boat will sink, but no one will die. Voici là où il parlait de l'ange. And that's where he talked about the angel. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Maintenant, c'est que Dieu ne n'opère plus. Dieu ne fait plus rien. Parce qu'il n'envoie plus des anges. Now, comment ça s'est fait dans l'Ancien Testament? It doesn't mean that God doesn't do anything because he doesn't send the angels. C'est toi. It's you. C'est moi. It's me. Qui a pour remplacer les anges. Who replaced the angels. Alléluia. Amen. Nous avons pris la place des anges. We took the place of the angels. Parce que nous sommes renforcés. Because we are
encouraged. Nous sommes forts. We are strong. Nous habitons en Jésus-Christ. Strong. We live in Jesus. Jésus-Christ est plus grand que les anges. Jesus Christ is greater than the angels. Et la parole de Dieu habite en nous. The word of God lives in us. Et la parole de Dieu est plus grande que les anges. The word of God is greater than the angels. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. The spirit of God lives in us. Et l'Esprit de Dieu est plus grand que les anges. The spirit of God is greater than the angels. On va envoyer les anges pour quoi faire? He will send the angels for what? Alors que nous sommes des petits dieux. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu habite en nous, nous sommes des petits dieux. When God lives in us, that Alléluia. Means little God. Nous chassons l'ennemi par une seule parole. We chase the enemy by the one word. C'est pourquoi nous devons apprendre la parole de Dieu. That's why we have to learn the word of God. Nous devons maîtriser la parole de Dieu. We have to know the word of God. Pour ne pas utiliser nos propres mots. So that we won't use our own words. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous sert de fraîche. The Lord of God helps us. La parole de Dieu nous sert de cartouche. It helps us. Et lorsque tu tires la parole de Dieu sur l'ennemi, il fuit. When you say the word of God to the enemy, he runs away. Voici pourquoi les anges ne sont plus nécessaires. That's why the angels are not necessary. Parce que nous sommes armés. Because we are armed. Nous sommes armés en Jésus Christ. In Jesus Christ. Et nous parlons des armes du chrétien. We talk about the army of Christians. Que l'Esprit de Dieu donne. That the Holy Spirit gives. Que l'Esprit de Dieu donne à partir de tout. The Spirit of God gives it à partir du ciel. From heaven. Non, à partir de toi parce qu'il habite en toi. No, from you because Alléluia. He lives in you. Alléluia. Amen. Lorsque tu lui demandes, tu es équipé immédiatement. When you ask him, you are equipped immediately. Alléluia. Amen. Voici pourquoi les anges ne sont plus nécessaires dans le Nouveau Testament. That's why the angels are not necessary in the New Testament. Nous sommes plus équipés que Élisée. We are more equipped than Elisha. Alléluia. Amen. Mais nous opérons moins. But we operate less. Parce que nous ne sommes pas conscients que nous sommes équipés. Because we are not conscient that we Parce que equipped. Nous ne voyons pas l'armée, nous ne voyons pas l'équipement que nous avons. Because we don't see those arms that we have. Parce que nous ignorons la puissance que nous avons. Because we ignore the power that we have. Parce que nous ignorons la force qui se trouve en nous. The strength that is in us. Alléluia. Amen. Alléluia. Les hommes. Nous avons remplacé les anges. As we replaced the angels. Dieu utilise les hommes pour sauver nos semblables. God used the man to free his own. Rapidement, je vais vous raconter une histoire d'un prêtre. I'm going to tell you a story of a priest. Un prêtre qui était en retraite. He was in retreat. Il habitait dans un village. He lived in a village. Pendant qu'il dormait, when he was sleeping, il a entendu un cri de quelqu'un qui disait au secours, au secours, au secours. He heard someone who was screaming of help. Il s'est réveillé. He got up. Il a continué à entendre la voix. And the voice was still there. Est-ce que c'est quelqu'un que Dieu me demande d'aller sauver? Is it someone that God is asking me to go and free? Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de voiture. I don't have a car. Comment je vais me déplacer? How am I going to go? Alléluia. Dieu s'adresse à nous même lorsque nous n'avons pas de moyens. God talks to us even when we don't have. À 3h du matin, Dieu te réveille pour que tu pries pour quelqu'un qui est en danger. Mais tu dis non, j'ai encore sommeil. At 3 a.m., the Lord wakes you up to pray for someone who's in danger, and you say no, I still want to sleep. Rien que prier. Just to pray. Alléluia. Amen. Rien que prier. Just to pray. Alléluia. Mais il demande à ce prêtre d'aller sauver quelqu'un à l'extérieur. But he asked the priest to go and free that someone, help someone. Cet homme, après avoir réfléchi, and after he il s'est rappelé que parmi ses voisins, il y a un jeune qui a une camionnette avec une corde. He remembered that among his neighbors there is someone who have a car. Il est sorti, il est allé frapper à sa porte. And he went out and knocked. À 2h30 du matin. At 2:30 a.m.
pouvez-vous m'accompagner s'il vous plaît pour aller sauver quelqu'un? Can you come with me please to go and serve someone? Alléluia. Avec beaucoup d'assurance que ce que Dieu a dit est vrai. With so much assurance that what the Lord said is true. Comme dans le village, quand même, on respecte encore les vieillards. In village, they still have respect for old people. Okay, pas de problème. And he said, okay, no il a allumé la camionnette. He brought the car. Il a pris la corde. Ils sont partis. He took the cord and they went. Après avoir fait quelques kilomètres. After they did it some kilometers. Mais c'est la mère ou père. Où est-ce que tout se trouve cette personne? And the young man said, where is that person? Il n'a pas dit, je ne sais pas moi non plus, mais ça doit être. He didn't say, I don't know. Continuons. He said, let's continue. Alléluia. Avec beaucoup d'assurance. With so much assurance. Alléluia. Continuons. C'est encore à quelque distance nous avons. Let's keep going. It's still somewhere far. Le type lourd. Alléluia. Lorsqu'ils arrivent à une rivière, when they got to a river, il dit la rivière est là. The river is full. Il n'y a plus moyen de passer, la route est coupée. We cannot go through because the road is and he said, I think. Son sorti, ils ont vu quelqu'un qui est en train de prendre les réserves qui les derniers s'allaient s'arracher pour qu'ils puissent être emportés. And they saw someone who was holding on a tree that was left. Voici la personne. And they said that he said that is the person. Il a jeté la corde, il a tiré. He threw the cord and brought the guy. Il a été sauvé parce que cet homme, ce prêtre, ce vieillard, a obéi à Dieu. He was served because that priest obeyed the Lord. Dans son sommeil. In his. Alléluia. Voici quelqu'un qui a remplacé l'ange. Here is someone who replaced the angel. Combien de fois tu as refusé de te lever à 3h du matin alors que Dieu te parle, lève-toi et va prier. How many times have you received to have you not get up at 3 a.m. in the morning? Tu préfères continuer à tournoyer dans ton lit. You prefer to keep on Alléluia. Turning in your bed. Mets-toi debout, mets-toi à genoux, commence à prier pour quelque chose que tu ne connais pas, prie à l'âme, prie avec intelligence pour que la raison pour laquelle Dieu te réveille puisse s'accomplir. Get up and go on your knees and start to pray in tongues so that what the reason why the Lord woke you up first may come. Brothers and sisters in Christ. Cessons de nous soucier de notre sécurité. Let's stop worrying about our security. Dieu s'occupe de nous. The Lord takes care of our quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves. No matter the circumstances. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. No matter the situation. Dieu est au courant. God knows. Il y a des surprises. He likes to surprise. Il intervient et est à poursuivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être prêts. We have to be ready. Nous devons être prêts. We have to be ready. Nous devons être vigilants. We have to be up. Et surtout, nous devons être à l'écoute. And we have to be at least. We have to listen. Pour que lorsque Dieu te parle, tu ne puisses pas dire non. Je crois que j'ai rêvé. So that when the Lord talks to you, you won't say no. I think I'm dreaming. Tu essayes de minimiser la voix de Dieu. You try to minimize the voice of the Lord. Parce que tu n'as pas envie de quitter le lit et de te mettre à genoux. Because you don't want to leave your Alléluia. Comfort zone and cessons de tel comportement. Let's stop such. Cessons une telle attitude. Such behaviors. Lorsque Dieu te dit de te mettre à genoux, oui Seigneur, tu quittes ton lit, tu te mets à genoux devant ton lit et tu pries. When the Lord tells you to go on your knees, you have to do it and pray. S'il faut sortir, if you have to go out, sort. Go out. Il y a les autres lorsqu'ils trouvent quelqu'un vient de faire un accident. Ah, si au lieu d'aller voir, non, il ne faut pas qu'on m'amène à la police. Je n'ai pas le temps.
their people, instead of going and see the person who did an accident, they say, no, I don't want to be involved in the police. Amen. Amen. That reminds me when we were in Rwanda. Someone was driving, we were going nous to avons trouvé quelqu'un qui venait d'être écrasé. Il était à vélo et venait d'être écrasé par... We found someone who was who did an accident. Who he was crushed by a car. Nous passons à côté de quelqu'un qui est en train de mourir. And Mama Rose said, we just passed someone who's dying. Il meurt comme ça tout le temps. They and the person said, ah, oh, they died always like this. Si tu t'arrêtes, tu vas trouver encore quelqu'un d'autre qui est mort. If you stop, you're gonna find someone else who died. How are you gonna keep on stopping? We shut our mouth. Ce que je vous dis, ce sont des choses qui se passent. Probablement, j'ai vu cela ici aussi. Ça s'est fait. Combien de fois nous évitons pour que on ne puisse pas te prendre à témoin à la police, tu dois te présenter comment tu as vu, tu étais dans quelle position, tu l'as vu comment, et qu'est-ce que tu as fait pour lui, est-ce que... It happens also here, we don't want to get involved so that we won't go to the police and they will investigate. Alléluia. Amen. Demande au Saint-Esprit de te protéger, lui intervient. Ask the Holy Spirit to protect you. Assure yourself at least they call the ambulance. At least if they called the police to intervene. Nous devons plus passer. We should not pass by. Nous les enfants de Dieu, nous avons remplacé les anges. As the children of God, we replaced the angels. Alléluia. Okay. Alléluia. Amen. Nous sommes de ces anges qui campent autour des autres pour les sauver. We are the servants who's around others so that we may help them. Cette parole qui a été prononcée dans la Bible, c'est pour toi maintenant, c'est ton tour de devenir cet ange pour sauver les autres. The word that was pronounced in the Bible is for you, so that also you can. Soit par la prière. You can replace the angels. Soit par tes bras. Maybe by praying. Soit par ton téléphone. Maybe by with your phone. Soit par tous les moyens. Or in any other way. Nous devons nous disponibiliser. We have to make ourselves. Comme les anges sont disponibles devant l'Éternel. As the angels are available. Nous aussi nous devons nous disponibiliser devant l'Éternel. We have to be available also before people. Pour faire ce que Dieu demande. To do what the Lord is asking. Pour aider nos semblables. To help the ones who need help. Pour les soutenir. Alléluia. To sustain them. Alléluia. Alléluia. Amen. Cessons de nous inquiéter en ce qui nous concerne. We have to stop worrying about things that will happen. Est-ce que le président des États-Unis s'inquiète de sa sécurité? Does the president of the United States preoccupy with his security? No, there is an FBI. Il y a CIA qui est là. Alléluia. There is a CIA that is there. Pourquoi il doit s'inquiéter? Why does he have to be worried? Mais son armée, FBI, CIA, sont moins importantes. His army, alléluia, FBI, or CIA are more important. Des anges qui se trouvent. Nous sommes plus protégés que le président des États-Unis. We are more protected than the president of the United States. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous devons aussi savoir que nous devons voler au secours des autres. But we have to know also that we have to go and help others. À tout moment. At any time. Dans toute situation. In any situation. Dans toutes les situations et dans toutes les circonstances. And in any circumstances. Alléluia. Amen. Éloignons de nous des distractions. Let's put aside the distractions. Alléluia. Amen. Éloignons de nous le sommeil. The sleep. Le sommeil ordinaire. The ordinary sleep. Et le sommeil spirituel. And the
spiritual slave. Alléluia. Amen. Éloignons de nous la paresse. Let's put aside our. Éloignons de nous la négligence. Negligence. Dieu a besoin de nous. God needs us. Pour jouer. To play. Pour remplacer. To replace. Les anges. The angels. Alléluia. Amen. En aidant nos semblables. By helping our brothers and sisters. Alléluia. Amen. Prenons la place au Seigneur. Prenons la place que Dieu nous donne pour remplacer les anges. Let's take the place that the Lord is giving us to help others or to replace the angels. Parce que Dieu nous a équipés. Because He equipped us. Parce que nous habitons en Dieu. Because we live in Him. Et Dieu habite en nous. And He lives in us. Nous n'avons rien à craindre. We don't have nothing to fear about. May the